pourrait être réalisé par la concurrence. Ce serait une véritable catastrophe pour Giugiaro. Les constructeurs n'osent pas fabriquer en série certains prototypes de Giugiaro, la peur de bousculer la clientèle. C'est toujours la même passion pour ce que vous faites. Oui, c'est comme faire des devoirs tous les jours à l'école. Il faut tout le temps des idées nouvelles. Et ça vous plaît toujours? Oui, on affronte à chaque fois une nouvelle montagne et puis on a 10 minutes de joie. Et le fait que Giugiaro ait dessiné des pâtes. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais ses pattes sont réellement différentes. Oui, j'aime bien parce qu'on en a plein la bouche. C'est plutôt ça. Vous savez que la sauce reste à l'intérieur et à l'extérieur. Regardez comme elle tient bien sur la fourchette. Il y a une petite armée de dessinateurs chez Giugiaro. C'est qu'il ne suffit pas de concevoir la chose, l'objet. Il faut pouvoir le réaliser techniquement, qu'il y ait une application pratique, ne pas inventer n'importe quoi. Même les gens doivent obéir à la règle à calculer. Ça fait tes devoirs ? Oui, oui. Ça ne te ferait pas de mal de la regarder un peu plus souvent. Va te changer, c'est pas une tenue. Au lieu de me mater, tu ferais mieux de t'occuper de maman. Ha ha ha.